Bon, nous voilà de retour. Il faut bien secouer, sinon la pulpe, elle reste en bas. Un petit Orangina acheté spécialement pour cette odyssée. Et des tartines de pâte chocolatée avec de la margarine. Tout ce qu'on adore, évidemment. Bon, allez! Je suis allé au domaine de chasse, c'est là que j'ai farmé, je savais qu'il y avait la croix. Mais j'ai pas testé les sauvegardes. Là, je viens de sauvegarder, mais vous voyez, on est à 80. Quand même. Et j'en ai profité pour choper la vie. Donc, en plus, on a une vie de plus. Mais je m'en doutais un petit peu. Je savais que ce serait comme ça. Donc, faut garder la croix. Mais le problème, c'est que peut-être qu'ils l'ont fait exprès, ces enculés de développeurs. Eh bien... Putain, mais c'est passe-partout, là. Ils nous ont touché plein de fois. Eh bien, le truc, c'est que... Princesse le prix. Putain, vite. Je vais passer en deux spies. Putain, mais qu'est-ce que c'est chiant. On va crever, hein. On va avoir farmé pour rien, c'est génial. Ça continue comme... Putain! Comme ça. Eh bien... Bah, eh bien, voilà. Allez, Jackie, on y va. On se déplace plus vite. Oui, sinon, ça me fait penser. Le fait de bouffer comme un porc, là. En fait... Allez, vite, on y va! Voilà, un poulet. Ah, c'était une cuisse normalement, bande d'enculé! Pourquoi ça a été remplacé par des chips? Mais non! C'est aléatoire? Oui, oui, il me semble qu'ils ont changé ça, les mecs, là. Ils ont remplacé des trucs... Ah, putain, c'est dommage, ça. Ça peut être aléatoirement des cœurs, des chips ou une cuisse. Relou. Bon. Tu sais, si je... Ben, l'Orangina, voilà. Et si je bouffe comme un porc... Normalement, je le fais pas en vidéo. J'évite. Donc là... C'est par rapport à l'épopée du Houpé. Ouais, mais lui, c'est pas la peine de le tuer. On va juste passer ici que... Une fois. Merde! Mais, c'est parce que lui aussi, à un moment, ça lui est arrivé. Je vous avais expliqué. Quand il bouffait un bol de lait. Enfin, il buvait plutôt. C'était où le mécouille là? C'était où le poulet là? Les chips. Mais là, on est arrivé ici en se faisant trop toucher, c'est stupide. D'ores et déjà. C'est là, je crois. Donc c'est par rapport à lui. À ce passage-là dans... Ok, d'accord. Dans l'épopée SC4. Mais il y a un truc que je me suis toujours demandé. Je sais pas si ça vous le fait, vous aussi. Non! Putain, la vache, il a failli nous tuer, cet enculé. Ah! Non! Saleté de Korbach! Ah, on a particulièrement assuré. Alors, le problème de Pure Cross, c'est que tu peux pas l'utiliser en l'air. Contrairement au niveau 1. Tiens, quel endroit de merde, quand même. Mais à un moment, en plus de... Ok, d'accord, bien joué. Hein. On va crever, c'est hallucinant. On va réussir à crever! C'est dingue! Allez, lui, je le prends sa fumier. Voilà, un de moins, déjà. Eh bien, voilà, c'est celui-là, les chips. Non. Mais si, je crois bien que c'était là, mais encore une fois, c'est aléatoire! Pourquoi ils ont fait ça? Mais c'est du axe! C'est au... Wow. Ah ok, d'accord. On n'a pas eu un seul poulet. Hein. Ils auraient dû faire en sorte que ça demande des... Ça... Pouah, merde! Ça demande du skill. Que ça dépende de ton niveau actuel de vie. C'est mal fait! Ah ok. Moins t'en as, plus ça a de chance de t'en donner. C'est à chier, là! On n'a rien! Je vais crever en bas à cause de lui, là. Oh merde, on va réussir à crever. Mais eux là, je veux me faire toucher, c'est sûr, hein. Tu peux pas te les faire, Oh merde. Comment je vais faire, bordel?
Il y avait pas un deuxième qui popait là? Tant pis, je vais me le faire comme ça. Hein. Je peux pas me le faire avec le fouet qui tourne. Je vais crever. Hein. Mais il y avait pas un deuxième qui popait là? Un deuxième mes couilles là? Boah! On a tout perdu! Eh ben voilà, tu peux crever. Tu peux crever et on va refarmer. Parce que là, je veux bien tenter de reload, hein, mais c'est évident que il va pas me redonner la croix et tout ça. Hein. Allez, tu sais quoi, je tente. Je ferme le jeu. Boah! Voir, Castlevania. Je reload. Mais à mon avis, on va repartir avec 2 vies et 0 cœur et pas la croix. Hein. C'est ça qui est chiant, ce qu'il faut farmer à chaque fois, quoi. Bah ouais, c'est ça, regardez. Oh, c'est nul! Bon, mais on refait le domaine de chasse, cette fois-ci en normal. Cette fois-ci, je vous le montre, j'ai pas le choix. Faudra faire ça à chaque fois, c'est bidon. Ça m'énerve, hein, vraiment. On aurait dû passer, hein. Mais ça, ça me casse les couilles, c'est incroyable. C'est comme Houpé dans Vampire Kiss. La croix, elle est ici, là, là. Quand il avait farmé 80 cœurs, 99 cœurs, et il se fait tuer juste derrière, juste après. Non, c'est la hache, génial. C'est utile pour les... Mais tu vas monter, bordel ! Utile pour les highballs et tout ça. Ah non, c'est eux les highballs. C'est eux là. C'est pas les globes oculaires volants avec leurs rayons là. Bon, je confirme quand même que ce niveau est 1000 fois plus facile quand t'as plus de vie comme maintenant. Et le truc de feu que j'ai oublié d'aller chercher d'ailleurs. Eux, tu les tues en un coup hein, avec le truc de feu. Ouais, et tu vois, c'est... Tu peux le choper comme ça. Hein. Voilà, la croix est là. Oh, c'est chiant. Faut tout refarmer à chaque fois. Hein. Je crois que j'ai que ça à foutre, espèce d'idiot. Pas plus mal d'avoir été arrêté par le... Tu vois, là, par contre, c'est pas fixe. Mais le truc de merde, là, eux, tu les tues en deux coups. Non. Non, on a bien vu que c'était aléatoire. Non, c'est naze, j'accepte pas, là. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais très franchement, on aurait dû y arriver. Mais c'est juste que j'ai fait que de la merde avec les names bossus. Bon, j'ai pas cherché la vie, de toute façon, c'est inutile. Ça nous fait chier plus qu'autre... Ah, mais on peut passer par là, mais oui! Pauvre abruti! C'est beaucoup plus simple. Par contre, on a moins de cœur et tout ça. Ok, c'est quoi qui m'a touché, là? De toute façon, on s'en branle hein, d'avoir perdu une vie. De toute façon, t'as pas le droit à l'erreur. Attendez, je suis attardé mental ou pas? Si, c'est utile d'avoir des vies. Oh, putain. Tu vois, c'est ce que je t'avais expliqué. Hein. Là, maintenant, je peux sortir. Et on farme les vies comme ça. Avec celles que je viens de ramasser. Si, si, il nous faut quand même plein de vie, hein, parce que... La croix. Ah mais je l'ai plus, la croix, là, d'ailleurs. Bah oui, ça sert plus à rien de continuer. Allez, je me laisse tuer. Oh, relou. J'en ai plein le cul, hein, vraiment. C'est insupportable. Y a rien qui marche comme prévu. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire, espèce d'attardé mental, là? Oui, je bouffe. Voilà, et une question que je me suis toujours posée. Je... Ben, à un moment, il bouffe et il dit... Putain, c'est immonde, ce machin. Ils te vendent de ces trucs. Je sais même pas ce que c'est. Tu payes ça des lingots d'or. Et en plus, c'est de la merde. Hein. Ce qui est marrant, c'est qu'il disait ça en 2009. Là, maintenant, avec l'inflation et tout ça, c'est encore pire. Hein. Et je me suis toujours demandé ce que c'était, en fait, les gâteaux qu'ils mangent à ce moment-là. T'entends les bruits? Tu sais, quand ils ouvrent le paquet, là. T'entends au micro, c'est marrant. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des balistos de Aldi Parce que les jaunes, ils sont pas fameux. J'aime bien les violets.
Quoique, j'aime les deux, en fait. Est-ce que c'est des petits sacripants? Cette fois-ci, je vais ramasser le fouet de feu, regardez. Je vais être intelligent pour une fois, parce que si tu descends, tu peux pas remonter. Non, pas parmentier, comme d'habitude. Voilà ça, là. En plus, ça nous fait plus de cœur. Là, je me mets là. Oh non! Pouah! Ça servit à rien. Tu te fais toucher dès le premier mob alors que tu savais très bien qu'il allait tirer! Et qu'il y en avait deux. Bon, ça m'énervait ces trucs là. Mais c'est bizarre, c'est... Je fais que de la merde là. Bah non, c'est pas bizarre, c'est parce que c'est L4 qui joue. J'y étais arrivé beaucoup mieux que ça, hein. En off, comme d'habitude. Voilà. C'est ce que je vous disais. Par contre, j'ai pas besoin. J'ai pas le temps de boire, faut y aller! Voilà, la meilleure façon de passer ce passage, c'est ça. Hein. Au lieu de faire ça, là, que t'as fait tout à l'heure. C'est trop risqué. Ce qui est chiant, c'est de se refarcir eux à chaque fois, là. Enfin bref, encore une question à laquelle on n'aura jamais la réponse, hein. C'est comme tout, de toute façon. C'est comme tellement d'autres trucs. Mais si, il me faut des vies quand même. Parce que... Si t'arrives à passer ce passage... Du truc, là... Putain. Si t'arrives à passer ce passage de... Du truc, là... Ah, je dis que de la merde, mais vous avez compris. Bah des rideaux là, des quatre statues à détruire. Eh bien, on se refarcit pas le boss. Hein. Vous allez voir, ça va terminer le niveau maintenant là. D'ailleurs, j'avais eu un rosaire en off, là. Tu vois, j'avais fait ça et ça change rien. Hein. On s'était pas retrouvé avec ça c'est bidon quand même. Bah oui, pour après, on en aura besoin d'avoir un maximum de vie. Bon, ici, je vais essayer de faire attention. Hein. Capitaine Jack doit faire attention. Il sera aspiré dans l'espace. Ouais, attention de ne pas ramasser une autre arme, espèce d'idiot. Vu ces passe-partout là, c'est insupportable. Tu vois que c'est mieux quand tu te concentres un minimum là. La Rostern. Bon, on perd du temps pour l'instant, hein. Je m'en excuse. Hein. Pour l'instant, on n'a pas avancé, c'est simple. Ah, qu'est-ce qu'il est chiant avec ses roses, lui. Ouais, pour l'instant, je m'en excuse, hein, je fais un peu que du brun. Allez, mets-toi en mode 21. Parce que si ça avait coûté 20, j'aurais pu le faire 4 fois. Là, ça coûte 21. Donc, je ne peux le faire que 3 fois. Voilà pourquoi je l'utilise pas maintenant, hein, contre eux, là. Parce que sinon, il faudrait, mais non. Il nous faut un maximum de cœur. Hein. Dégage. Regarde. Tu vois, maintenant, un rose... Voilà, tu vois, là, c'est un poulet. Des chips! Bah, tout à l'heure aussi. Bon, on va essayer de voir la pièce avec les rideaux. Si vraiment j'hallucine... faut pas que j'aille à gauche, hein! Ça fait pop des chauves-souris! J'ai l'impression, là. Allez, ne pas faire l'abruti. Bon, déjà, lui, il nous casse les couilles. Ici, c'est... Oh, putain. Ici, c'est pas trop dur. Sauf quand tu te fais toucher par le premier squelette. J'avoue que c'est pas évident de pas prendre des dégâts avec le squelette, là. J'ai moins de cœur. On a encore un petit peu d'invincibilité. Ah merde, mais remonte. Je peux pas, là. C'est trop bas, la plateforme. Ah non, c'est bon. Putain, j'ai eu peur. Quelle saloperie, quand même. Ouais, lui, il faut essayer vraiment d'économiser tes pures crosses, hein. C'est pour ça que là, pour l'instant, je le fais pas, hein. Même si je suis en trop plein. C'est un peu bidon, d'ailleurs. Dégage. Je vais essayer de garder le fouet de feu. Hein. Mais tout à l'heure, je l'avais pas eu, le fouet de feu, ici. Si? Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué. Prends ça. Non. Bon, est-ce que... Mais t'es sûr qu'il n'y a pas de poulet, là? Ça me semble bizarre, quand même. C'est bel et bien aléatoire. Hein.
Rien de moins. Bon, pour l'instant, on est pas mal, là. On est beaucoup mieux que tout à l'heure où on avait fait que de la... Non ! Bah ouais, mais je pouvais pas. J'étais en l'air. J'ai essayé d'aller à gauche, mais... Putain, mais ça, c'est le genre de truc. Putain, mais lui ! Et lui ! Ils ont fait exprès de le placer en dehors de l'écran ! Qu'on le voie pas, là. Ah, ok, d'accord. Je peux plus bouger, je me prends des dégâts. Ça, j'adore, hein, franchement. Ça, c'est Luxor, j'adore, vraiment. Je pouvais plus bouger. Oh, j'ai plus de points de vie, c'est affreux! Bon, allez, j'ai pas le choix. Prends sa fumier. Je me demande si je peux tuer les deux, là. Parce que c'est surtout eux qui sont gênants. Et lui, je peux pas. Dans tous les cas, je peux pas. Eh, ça va aller, là? Oh! Allez, vite! T'as vu ça, comment c'est juste? Qu'est-ce qui me manque, là? Je suis à 3 sur 4? Ben, si c'est le cas, c'est énorme. Surtout, ne pas faire l'abruti. Je crois que si je me laisse tomber ici, c'est safe, j'allais dire. Ouais, splendide. Allez, hop, encore un petit... Gentil le petit! T'es sûr que c'est là, les méduses? Ouais. Là, limite, t'as plus besoin de la croix, hein. Tu peux reprendre la hache si tu veux. Je sais plus qui c'est le boss. Quoi ? Oui, c'est bon, j'ai entendu le... Ça veut dire qu'on a réussi. Je prends la hache. C'est qui le boss, espèce d'idiot ? C'est dommage que je puisse pas mettre pause. Hein. C'est l'expérimente ? Ouais, bah fallait la hache. Mais c'est pas grave, on l'aura plus tard. On aura une autre occasion de la choper. Et on a passé ce passage. C'était le plus important. Mais à chaque fois qu'on aura Game Over, on reprendra ici. Mais si c'est le boss expérimente... Expérience 22 ou je sais pas quoi. Par contre, il faut que je chope la hache. On n'a plus rien, là. Comment tu vas-tu tuer ces ennemis en contrebas? Saleté de fouet de merde! Et on est foutu. Non, pas encore. J'ai pas dit mon dernier mot. Ah! Il y avait une dinde de merde ici, là! Mais chier, putain! Ben on le passera du premier coup, hein. Le boss expérimente, je pense. Ici, je préfère passer comme ça, hein. C'est à chier cet endroit. Vraiment. Elle est où la dinde? Je crois qu'elle était en haut, là. Non, ici peut-être. Voilà, je l'ai eu. Mais je suis mort. Parce que il m'a touché avant que je touche la dinde! Putain, c'est pourri cet endroit! Normalement, je le passe comme ça, hein, en fudge. Allez, on y va, vite! C'est vraiment un endroit, mais de chiottes, hein, c'est hallucinant. Ils ont mis 1 milliard de... Oh non. Ouais, mais tu peux pas le passer en speed. Quel endroit de merde! Comment je suis censé tuer ces connards? Je peux pas! Regarde ça, le fouet! Je vais pas pouvoir... Oh putain, je peux détruire les mécouilles! Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Bon, je suis idiot, hein, j'aurais pas dû passer en speed. Hein. Il faut pas. Faut que j'augmente mon son, là. Hein. Faut que j'entende les rochers. Hein. Là, j'entends rien. Si, si, on peut, mais... C'est un peu débile, quand même. Ben ouais, faut pas passer en speed. Tu peux pas, là. Bon, ah ! En mode normal, tu peux. Tu peux largement. Mais là, ils ont mis 2 fois plus de squelettes. Donc non, tu peux pas. Ces trucs, ces trucs. Allez, la dinde. Dinde panée. Et la grappe pour te régène intégralement ta jauge verte. Quoi, c'est le boss, là? Oh putain, non, c'est l'homme chauve-souris. C'est pas l'expérimente. Oh, putain, ça va être dur. Là tu peux pas l'atteindre, hein, si t'as pas la hache. Je crois que c'est le fouet de feu, hein, ou un truc de ouf. C'est dommage que je puisse pas, là. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai 4 Vorpal Cross. Faut pas hésiter à les utiliser. Tu te rappelles, c'est le mec chauve-souris, là, 2 formes, attention. Et tu te rappelles, quand tu te fais toucher quand t'es en l'air, tu peux te retrouver derrière le décor. Hein. Mais là, non, apparemment, ils ont fixé le problème. Bah ! Je l'ai pas touché une seule fois, hein, je sais pas si t'es conscient. Cette première forme est pas trop dure.
Surtout ces roues de merde là. Allez, encore. 3-4 fois. Oh, faut éviter de se faire toucher comme ça. Putain, mais c'est de la merde ces roues! Les roues! Les rouquins! Bonne chance, hein. Il est pas évident du cassoulet. Enfin, je l'ai touché dès le début. Faudrait que je monte mon son, mais je peux pas! On peut pas mettre pause dans ce jeu de merde! Faut que je monte mon son pour entendre là. Qu'est-ce qu'il va faire comme attaque? Non! C'est quoi ça, ces trucs? Putain, bordel, c'est quoi ces conneries? Il est presque dead, hein. Oh non! Que je le tue, faut pas qu'il pop. Non! Vite! C'est bon, il est mort. Oh là là, la panique! Panique at the disco! Et on a réussi. C'était pas évident du. Du cassoulet. Ça, c'est bidon quand même. Willem Dafoe! Oh putain, c'était horrible! Alors, je monte mon son, je sais pas pourquoi il est aussi bas, c'est vraiment de la merde! Quand tu veux. Ah voilà, c'est ça, c'est le hall des sciences, l'expérimente. C'est l'autre. Crétin. Allez, on y va. C'était pas évident du cassoulet, vraiment. Ah, il y a le chiffre 3. Non, ah oui, il est chiant celui-là. Il est chiant ce niveau, là. C'est la bibliothèque. Des Némésis. Ah, faut qu'elle me touche. Ah oui, quand même, 3 fois. Le couteau. Ah merde, il faut tous les tuer. T'es obligé de les tuer. N'hésitez pas à l'enchaîner comme ça, hein, avant qu'elle vous fonce dessus. Ah, c'est débile, faut les tuer en fait. Un verre d'eau. Prends ça. Un petit coup d'eau. Oh, fais chier ces trucs. Je fais un peu que de la merde quand même, je suis pas concentré du tout. Mais je confonds les salles aussi. Ah mais quand même, 2 coups de fouet de feu. Des simples bouquins de merde comme ça là. Prends ça. Qu'est-ce qu'ils sont chiam. On a 2 fois la même attaque. Il y a 8 heures à se faire foutre. Putain, je pensais que les chauves-souris allaient me tuer. Bon, ça, faudra y venir qu'une fois. Hein. C'est pour une upgrade de cœur. Aïe. Tu vois, j'ai activé la boule. Et donc, on est à combien maintenant? 100? Peut-être, hein. Je vais tuer les 2 bouquins. Oh merde, putain. Tu peux pas les détruire, les trucs. Ça, c'est sa pire attaque, hein, vraiment. Ouais, la bibliothèque nous fait des dégâts, je m'en rappelais plus. Oh, une Némésis, il a rajouté en plus. Mais c'est n'importe quoi! Voir les mécouilles. 120 en cœur? Comment c'est seulement possible? On était à 80? Quoi? On en a ramassé 2? Quoi? Ah, on était à 100? Oh merde, je sais plus, ça me gave. Mais sinon, il y a le sous-sol avec le truc de Gorgone. Ben justement, pour avoir le... Qu'est-ce qu'on fait? On fait celui-là. Je crois qu'il est moins dur que celui-là. Hein. Parce que le boss, c'est une merde dans le hall des sciences. Mais le niveau, c'est une purge. Là, je me souviens plus. Sous-sol. Je me souviens plus vraiment. Out of time. Oui, il y a un truc, tu vois, caché. Tu voyais pas que tu pouvais tomber, mais si... Prends ça. Ah! On a touché cet enculé. Là, il se met à y avoir des pièges, mais de partout. Aiolia. Oui, j'ai bien attendu que l'os disparaisse. Ok, d'accord. J'ai obligé d'activer ça. Hein. C'est complètement pourri, mais bon. Ah, mais quelle saloperie! Mais putain de pique de merde, mais d'habitude je me prends rien là. Ah ok, d'accord. C'est splendide, hein, vraiment. D'habitude je me prends aucune lame. La Gorgone c'est bientôt, Jackie.
Oh, mais putain. Pourquoi je suis tombé? C'est vraiment de la merde, quand même. Pourtant, il n'y a rien de différent hein, par rapport au mode normal. Complètement à chier, cet endroit, quand même. Non, c'est pas dur, hein, il suffit juste de savoir comment ça marche. Hein. Oh! Il faut le fouet d'or le plus vite possible. Ce qui est bien, c'est qu'il te le donne quand ça sert plus à rien. Hein. Fallait peut-être y aller, là. Ouais, peut-être y aller, là. C'est parti! Ouais, tu vois, faut y aller direct, en fait. Faut pas laisser le temps de s'installer. Hein. Mais putain, ils en ont mis là aussi! Normalement, il y en a pas, hein. Putain, je déteste ces trucs! Je vais devoir manier le cul. Je déteste ces machins, là. Pas pire comme ennemi. Voilà, la gorgone est là. Donc au moins, on n'aura pas fait ce début de niveau pour rien. Tu vois, ça te permet de rester en l'air. Et des fois, faut attendre qu'un truc apparaisse. Regarde, hop. Là, si je reste là, je suis mort. Là, ça draine ma jauge. Mais ça reste raisonnable, je trouve. Ah merde, c'est Légion! Oh putain, d'accord, ok. Ouais, dans la partie 1 ou 2, je voulais vous dire... je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer une astuce dans le niveau 2. Et comme d'habitude, tu t'es pas... t'as pas fini ta phrase. Ben, celui-là. Le niveau de Légion, entre guillemets. J'ai attendu que les chauves-souris disparaissent. Et d'ailleurs, l'astuce en question, c'est maintenant. Mais est-ce que j'ai suffisamment de points de vie pour vous montrer? Ah merde, t'as tué la momie, on peut pas! En fait, tu laisses la momie vivante, ici, là. Tu te fais toucher par la momie. Parce que ça fait moins de dégâts que ces pics de merde, là. Ça, là, qui est juste en dessous de moi, là. Et ça te permet de... Vu que t'es invisible... T'as la frame d'invincibilité quand tu clignotes là. Bah t'en profites pour tomber en dessous là. De toute façon je vous montrerai hein, vu que... Voilà, vu qu'on est mort. J'aurai l'occasion de vous montrer vu le nombre de fois qu'on va recommencer ce truc. Hein. Vie fois 0 quoi. Mais paradoxalement je pense que ce niveau est... J'avance le plus possible hein, pour faire pop les souris d'en dessous. Je pense qu'on a plus de chances de terminer ce niveau plutôt que l'autre. Alors que le boss est plus dur. Hein. Ouais, mais le problème, c'est qu'il faut pas tuer la mécouille, justement. J'ai un objet à aller chercher en haut. Bon, je vous montrerai plus tard. J'ai un objet à aller chercher en haut à gauche. Et un autre en haut à droite, je crois. Et pour ça, bah, j'ai besoin de ces trucs de merde. Mais à partir de maintenant, faut pas hésiter à utiliser ce machin. Bon, il y a une vie hein, en haut à gauche. Et on en a besoin parce qu'on est à zéro. Voilà, et je crois qu'il y a une autre vie ailleurs. Oui, en bas à gauche. Bon, premier objet récupéré. Ensuite, ça faudrait faire ça à chaque fois. Hein, pour éviter d'avoir à trop taper. Bon, ensuite, en haut à droite, est-ce qu'il y a quelque chose? Pas ici. Tu vois, là, il n'y a rien, là. Je regarde, hein, quand même. Bon. Alors, bah, du coup, je vous montre comment on passe à la normale. C'est un peu relou, mais... Voilà, là. Je sais pas si j'ai eu raison. Voilà. C'est assez dur, franchement. C'est les fameux enchaînements de dash en l'air, plus... Enfin, se laisser tomber avec bas plus... saut, sinon tu te prends ce truc de merde, là, et dash en l'air. Ouh! J'ai failli tomber. Heureusement, il y a pas mal de poulets dans cette zone.
Il faut pas voir pas le cross, hein, il faut le couteau hein, pour ce boss. Oui, je sais, c'est, ça a l'air étrange. Mais si, si, il faut le couteau pour ce boss. À l'occasion de le récupérer. De toute façon, je crois qu'il le donne hein, dans les chandeliers qu'il y a. Merde, je l'ai pas eu. J'aime mieux ne pas m'approcher. Hein. Voilà, encore un poulet, t'as vu. Mais évidemment, c'est quand je suis full vie. Ah, on se rappelle hein, de cet endroit. Hein. Là aussi, allez, je prends l'invincibilité et on y va. Faut se manier le cul. Oui, je crus remarquer en regardant la vidéo, je vous avais dit un petit peu plus tôt, là, ou dans la partie précédente. Bien, c'est extrêmement dur hein, d'avoir ça. Prends un fumier. En haut, là, c'est un poulet. Hein. Ça, là, tu vois, la cuisse. Pas la peine d'y aller. Bon, là, par contre, c'est là où il faut pas faire l'abruti. Putain, c'est où qu'il faut aller déjà? Je sais plus! C'est là, là? Oui, je crois bien. Voilà, l'endroit où il faut aller, c'est en bas à droite. Mais il y a un objet, une upgrade en haut à droite. J'ai l'impression que c'est le décor qui avance et pas nous, là. Oh, encore un connard qui arrive. Club Crête est par... Ah, là, voilà. En plus, c'est de la vie, c'est important. Là, j'essaye vraiment de faire de mon mieux. Je suis en train de faire le truc optimal. Mais ces connards de roues qui nous poursuivent, là, c'est insupportable. Par contre, faut y aller comme ça. Hein. Là, là, ici, là. Non. J'ai confondu. Oh non, pas les trucs qui avancent et tout, là. Fait chier, bordel. Séquence de merde qu'on voit dans tous les jeux de plateforme, là. Manque d'imagination de chiottes, là. J'ai perdu du temps, fait chier. Faut être très rapide, hein. T'as que très peu le droit... Oh non, pas eux! Très peu le droit à l'erreur. Hein. Et faut surtout pas sucer la droite de l'écran. Hein. Parce que faut détruire le mur à gauche, hein, pour arrêter Enfin, pour trouver le chemin, quoi. Quand tu veux, on n'est pas prêt. Voilà. Tu vois. Oh wow. Déjà, rien que ça, c'est pas évident du cassoulet. Et jauge de SP. Bon, pour l'instant, on s'en sort pas trop. Non, bah, pas là, putain! Là aussi, il faut la croix, bordel. Fais chier, cet endroit de merde. Comment tu veux esquiver en même temps eux et les pics, là? Là, j'ai le placement optimal. Hein. Mais c'est évident qu'on va se faire toucher. Évidemment. Mais je pense qu'il vaut mieux se faire toucher par les squelettes plutôt que le... Tu vois, là, faut surtout pas sucer le... Oh, mais non, mais pas un squelette en plus! Mais non, mais ils ont fumé, bordel! Oh, bien joué! Pourtant, on l'a pas touché beaucoup. Sinon, tu te prends les pics et t'es mort. Bon, Ah, dernière partie. Upgrade niveau 3. Voilà, item crash niveau 3. Ça, c'est les attaques les plus puissantes. Et justement, on en a besoin pour le boss, avec le couteau. Ouais, Holy Cross. Ouais, 99 quand même. Bon, attention, cet endroit, c'est pas évident non plus. Ah, c'est machin! Putain! Putain, comment je vais faire pour cette araignée de bouse, là? Putain, mais oh, ces trucs Putain, mais... J'avais oublié que je l'ai tué en un coup. Oh non, c'est machin! Ça revient à l'infini, c'est insupportable. En plus, c'est lent, et ça envoie des flammes, et c'est chiant, putain. Mais oh! On va crever à force de faire que du brun. Je voulais avoir plus de points de vie, on en aura moins. Ah, tout ça pour ramasser ça. 34 minutes, ça a l'air d'aller, la capture. Des chips. Putain! L'autre qui me touche quand... Oh non! Ils sont back, eux. Je crois que... Voilà, il y a une invincibilité, c'est ce que je voulais vous dire. Mais monte! Putain, j'essaye de me concentrer, c'est pas évident ce passage. Oh! Comment faire, comment faire? Prends sa fumier. Ça ne l'a pas touché. Voilà, pas mal.
Ouais, sauf que là, il fallait la hache ou la croix. Pour ces ennemis en cercueil, là. Ils sont horribles, hein, vraiment. Ouais, tu vois, dès que tu les tues, t'as le mec qui se trouve dans le cercueil, qui se lève et qui balance des trucs à l'infini. Donc faut le tuer le plus vite possible. Il est chiant. Il est encore plus chiant que quand il est... pas réveillé. Oh, ces trucs. Il y a un espèce de truc là pour la musique. Ça fait comme un mec qui gémit, c'est un petit peu relou, ça me dérange dans l'oreille là. N'hésite pas à revenir par là, hein, pour éviter les trucs. Ouais, non mais eux en haut là, ils sont insupportables. Ouais, c'est pas mal mais... Je m'en doutais qu'il était encore vivant. Bien, bravo. Ça c'est une bonne utilisation de l'eau bénite, tu vois. C'est quoi, faut... Ouais, si ça avait été le couteau, ça m'aurait fait chier de le rater. Bon, on est bientôt au boss, hein. C'est pas le moment de faire l'abruti. Allez, un lanceur de trucs en moins. Prends sa fumier. Hein. Ça a disparu bien vite, le truc, quand même. Là, vous avez l'impression que je suis en train de gaspiller beaucoup de cœur. Mais c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Bien, la dinde. Et on est au boss. C'est ça. Alors, priorité à ramassage de couteaux. Et j'ai déjà le fouet, donc ça me fait une utilisation du couteau en moins. Parce que la strat contre ce boss, c'est clairement ça. Hein. C'est d'utiliser le Rage Force 45 cœur. Putain, je m'en rappelais plus. Quand même. Hein. Voir les cœurs. 120 au maximum, ouais. Donc... 120 divisé par 45 égale... Bon déjà c'est pas 4, hein, c'est 3. Parce que 45 x 2 égale 90 et 9 et 9, 18. 2 c'est sûr. Ah merde, 2 seulement. Ah d'accord, ok. Donc je t'explique. Comme d'habitude, faut profiter qu'on arrive ici full cœur et avec le fouet de base sans avoir à utiliser le rage. Là, ça sert à rien de le faire, hein, je l'ai déjà. Donc ça me laisse 3 essais. Je peux me faire toucher 2 fois. Pas plus. Voilà, bon, c'est Légion, le boss, là. Il a 2 formes. Relou. Bon, je te montre, hein, de toute façon. Le premier, il est en mode sorcier, il va du bas vers le haut. J'ai mon spot préféré, qui se trouve... Je sais plus. Je crois que c'est là, hein. Là. Je crois que c'est là, hein, parce que je peux descendre, je peux aller à gauche, je peux aller partout. Ouais, il en fait un autre, j'en étais sûr. Il lance ses trucs plus rapidement, j'ai l'impression, hein, quand même normal. Je sais pas où il est. Hein. Cette première forme est pas trop dure. Oh non! Pourquoi il pop sur moi, là? Ouais, merde, je peux pas le rejoindre. Il est pas évident, vraiment. Même sa première... Putain, mais il m'énerve à popper sur moi, là. J'aime mieux ne pas l'attaquer dans ces cas-là. Putain. Il fait qu'une seule attaque, mais qu'est-ce qu'elle est chiante. Quand tu veux, hein, on n'est pas pressé. Il a disparu, je sais pas où. Sinon, tu peux utiliser des couteaux, hein, si tu veux. Tu vois, je peux me laisser tomber en bas. Hein. En me mettant ici, c'est ultime. Je dirais encore 2 fois que je le touche, là. J'aime mieux jouer la prudence, hein. On n'est pas timé, autant en profiter. Hein. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Deuxième forme. Je crois qu'il pop... Là où il y a le trône. Les 11 trônes. Donc c'est Légion, en mode Grand Falloon. Faut y aller. Hein. Faut détruire les 4 parties. Bas, droite. Je vois rien avec les mes couilles. Putain, c'est super rapide. Comment tu veux que j'esquive ça? Bas droite, bas gauche, haut gauche et tout ça.
Oh merde, y'avait un mécouille, c'est dommage ça. Ouais, c'est super rapide le rayon, mais... Comment tu veux esquiver ça? C'est bon, il est détruit. Je sais pas comment j'ai fait, j'ai détruit deux parties à la fois. Hein. On est en train de particulièrement assurer, je dois dire. Ouah, qu'est-ce qui nous arrive? On est possédé! Comme lui. Non! Ah, il m'a touché. Bien joué, espèce d'enculé. Ah, inatteignable! Dommage, Daggerstorm! Dommage, dommage, dommage! J'ai envie de recommencer, là. On est immortel. Allez, encore! Voilà. C'est pas commun, mais on a réussi. Yes! C'était très risqué, hein, de faire ce que j'ai fait. Mais je crois qu'on est immortel, hein, quand on fait Daggerstorm. Bien joué. Parce que lui, il est pas évident, c'est l'un des pires boss du jeu. Mais si tu perds ton fouet de feu, tu fais Rage Force. Attention, t'es immortel, mais tu peux plus bouger. Et non pas Sheer Force! Comme dans Pokémon. Bon, là, on n'a pas le choix, malheureusement, c'est celui-là. Hein. Ah, quoique! On va retourner au labyrinthe pour choper le cœur. Maintenant qu'on a la Gorgone. Je vais te montrer le mécouille, parce qu'on a suffisamment de cœur. Même si on va le perdre, mais bon, c'est pourri. Voilà pourquoi le couteau est énorme. Déjà, Daggerstorm, c'est énorme. C'est ultime contre le boss au miroir pour tuer les clones. Je serais très étonné qu'on n'ait pas utilisé cette technique contre le boss, hein, d'ailleurs. Léopold ou je sais pas quoi, là. Merde, j'ai oublié l'invincibilité. Pas grave. Merde, j'avais oublié le focus. Regarde. Alors, regarde, niveau mes couilles. Alors, je fais ça. T'as vu, là, tu peux pas bouger. Hein. Et ça me donne le fouet de feu. Eh oui. Alors, regardez, vous venez ici. Attention à ne pas toucher ce truc, sinon vous êtes mort. Ça, fallait savoir hein, qu'il fallait attendre. Et voilà la mécouille. Et là, on voit tous les persos... Ah, il y avait le truc ici, quoi. On voit tous les membres de la famille Von Wildheim. Les seuls qu'on n'a pas tués, c'est lui et elle. Tu vois, ici, c'est pareil, tu viens ici, tu touches le truc, et cette fois-ci, ça te ramène ici. Et on peut sortir. Et on est à 150 cœurs maximum. Putain, mais il y a un problème, là. C'est 30. Attendez, mais il y a un problème, là. Mais c'est pas normal. On était à... Mais normalement, ça devrait... Mais ça passe sans arrêt de pair à impair. Mais il y a un problème. Il a réduit ce que nous donnent les derniers cœurs pour ce mode hard. Il y a un truc que je comprends pas, là. Hein. C'est pas normal. Enfin, 150, c'est déjà beaucoup. Bon, allez, ben, on y retourne. Old Science, relou. Enfin, ce niveau, c'est un peu de la merde, hein, quand même. Bon, on a le fouet de feu, ça devrait aller un peu mieux pour les... Eux, là. Quand tu veux. Oh, oh, oh. Mais se faire toucher dès le début, comme ça, franchement. Bon, n'hésite pas à utiliser le fouet, hein. Ça. C'est un peu mieux là quand même. Mais étant donné qu'on va le ramasser bientôt, je vais pas l'utiliser. Ok, d'accord. Il est là, là, à gauche. Là, là. Attention à la pierre. Ah, c'est un peu mieux quand même. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, espèce d'idiot là, ben tu reprends. Tu fais ce que je vous ai montré là, quand on a ramassé l'upgrade de cœur. Au labyrinthe des rideaux là. J'ai plus besoin de retourner à la deuxième salle de gauche. Hein. J'ai déjà l'upcrète. Et bon, maintenant on va te faire foutre. Hein. Ici, là. Et en fait... tu reprends Rage Force. Et Ad Vitam Aeternam, voilà, tu fais que ça, en fait. Putain, saleté de Némésis. Putain, mais quel truc de merde, ces machins! Vite, elle est partie dans le mur. Mais dépêche-toi, bordel de cul! Y'a pas un mur à détruire, là? Oh, quoi? Elle nous suit! Mais non, mais ça, c'est pas normal!
Ils sont pas censés nous suivre, ces fils de chiens, bordel! Oh là, c'est pourri! On s'est fait toucher 20 milliards de fois, là! Ça aurait pas dû arriver! Ah, ok, d'accord. Mais tout ça, c'est à cause du Némésis qui nous... Voilà. Qui nous a suivis, hein! Ça aurait pas dû arriver, c'est de la merde, hein! Non, là, je suis pas d'accord, hein! Je fais ça pour reprendre mon capital de vie. Mais non, mais ça va pas du tout, là, oh! Bon, c'est pas grave. D'ores et déjà, j'ai prouvé que je joue mieux que... qu'avant. Ça m'énervait, ces trucs qui tournent, là. Je vais te tuer, petit con. Prends ça. Mais putain, elle l'a fait direct! C'est de la bouse, sérieux. Prends ça. Ah, c'est un peu mieux, quand même. Donc ouais, ce que je voulais dire au niveau de ça... Ben voilà, tu le tues comme ça, quoi, le boss. Que avec le fouet. Parce que le fouet de feu, je peux te dire, ça rigole pas. Hein. Et c'est extrêmement rare d'avoir le fouet de feu pour un boss. C'est quoi ce... Donc autant en profiter pour une fois... Bon, j'aimerais arriver au boss expérimente. Mais il reste que 14 minutes, hein, ça va être chaud. Je sais pas si on peut y arriver. J'ai des doutes, hein. Bon, ça. Bon, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de mieux sur le card et tout ça, là Oh merde, je l'ai raté, là, mes couilles! Qui saloperie, putain! Et ce passage, c'est une purge, mais c'est hallucinant. Bon, apparemment, ils arrêtent de pop au bout d'un moment. Et évidemment, là, on arrive à THE passage. Voilà, ici, là. Vous vous en rappelez, hein? La bibliothèque. Là, quand tu maîtrises pas les sauts... Ah, j'ai quand même envie de ramasser ça, s'il vous plaît. Voilà. Parce qu'on en aura besoin, hein. Là, si tu maîtrises pas les sauts... Le problème de cet endroit, c'est pas les ennemis, hein, parce qu'il y en a un petit peu quand même, comme vous pouvez le constater. Le problème, c'est les sauts. Voilà, ne serait-ce que là, là, ça, là, les enchaînements de trucs qui s'écroulent. Si tu sais pas qu'il faut faire ça... Et là, ça passe comme dans du beurre. Hein. Alors... Ah, le couteau, c'est pas mal pour atteindre les mécouilles. Ça, là, regardez. Bien d'avoir raté... Tu vois? Beau timing pour qu'il s'écroule sur le machin. Ah! Ça par contre, c'est pas du bien joué. Vraiment de la merde ces pics. Voilà, ici c'est THE saut. Après il y a une dinde, donc il suffit juste de pas se foirer. Alors je fais comme ça. Et voilà. Pas calmer là peut-être? Je vais quand même prendre ça s'il vous plaît. Merde, ils ont rajouté un livre! Deux, même. Ah, c'est une cuisse, oh! C'est pas grave, c'est mieux que rien. Oh non, pas cet endroit de la mort! Pas ce passage de la muerte, putain! Putain, mais par contre, ça pop à donf, là. Hein. La vitesse de pop des trucs, normalement, il pop que deux par deux. Oh non! Je suis tombé tout... Je voulais pas! Je voulais ramasser les cœurs! Attends, le thème de fin, là. Sinon, putain, mais... Ce truc commence à me... Bref. Alors, qu'est-ce que je voulais prendre? Ouais, génial. Ben oui. Je voulais aller en bas, là. Ouais, ça y est, ça recommence. J'ai plus de cœur truc mes couilles, hein, par contre. J'ai plus d'items secondaires, hein, c'est affreux. Tellement rapide, comment tu veux les esquiver, quoi. Bien, vite! Putain. C'est vraiment de la merde, hein, ce passage des pièges d'échecs. Bon, ça fumier. Bon, je sais plus parler, mais vous avez compris. Bon, attendez, Alors, ce passage... Dégage.
Ce passage, ça a toujours été de la merde. Pour savoir où il faut aller. C'est quoi la suite? C'est où le niveau? Qu'est-ce qui est un passage annexe? Qu'est-ce qui est le vrai truc? Mais lui, il commence à me gaver, là. Il le fait exprès de reculer sa tête. Voilà, bien joué. Alors, regardez. Ok, d'accord. Je veux vous expliquer, je me prends la pique, c'est génial! Comme d'habitude. Mais comment ça? Puis c'est elle. Enfin, je l'ai tué. Mais attention, tu peux te faire toucher avec ça après. Alors, en théorie, vous devriez pouvoir vous laisser tomber sans trop de problèmes en suivant ces chaînes de merde. Tu vois, ce qu'il y a là, là. Regarde. Mais n'hésitez pas à faire comme ça, hein, pour vérifier. Ouais, tu vois, comme là, là. Mais fais ton dash! Ouf! Oh, j'essaye d'aller en bas à gauche. Hein. Mais attends, on peut pas, là. Le rosaire est toujours là, hein. Il disparaît pas. Hein. Et alors, c'est bizarre. Hein. Alors, si je fais comme ça... Non! Oh putain! Ouf! Triple lancé. Tout ça pour ça, bordel. Et je crois qu'il y a un autre item hein, dans cet endroit. J'essaie d'y arriver, mais je promets rien avec si peu de points de vie. Oh, j'y suis allé au pire moment possible. Parce que cette plateforme-là, elle est pas comme les autres. Dès que tu vas poser le pied dessus, elle va faire une route, tu vois, aller de en bas à gauche jusqu'à... On voit rien, c'est génial. Jusqu'à en haut à droite. Mais si... Une fois qu'elle est partie, elle s'arrête plus. Hein. Et si elle... si elle t'a oublié, ben elle repop pas, hein. Ça c'est nul à chier quand même. Et donc, ben, t'as juste à crever. C'est bidon. Oh du con, prends ça. Je suis pas certain que ça serve à quelque chose de venir ici. Hein. Je préfère refaire comme tout à l'heure, je sais que c'est safe ici. Un safe, c'est vite dit. Mais cet endroit, c'est l'un des pires moments du jeu, hein, ça aussi. Mais putain! Voilà, bien joué. Attendez. Mais putain, ça m'énerve ce... Prends ça. Je l'ai touché deux fois. Alors, cette fois-ci, je sais qu'il faut que je fasse ça, voilà. Voilà, cette plateforme-là, là. Mais le problème, c'est qu'il faut y aller au bon moment. Par rapport à la boule de... Voilà, là, là. Tu vois, elle vient de passer, donc j'y vais. Et putain, ça m'énerve, c'est Némésis. Elle va me suivre jusqu'à la fin. Hein. Oh putain, des méduses, en plus. Normalement, il n'y a pas ça. Hein. Oh, mais non! Pouah, pourri, quoi! Bon, allez, on s'arrête là. Relou. On pourra pas y arriver. Au moins, on a ramassé le lancé. Le triple lancé. Ah non, il n'y a pas d'autre truc. D'accord, ben tant mieux. Ça m'a permis de voir ça, là. Je confonds avec un autre. Alors, pour l'instant, on a ramassé toutes les upgrades. Il hein. Faut juste battre le boss de cet endroit-là. Il n'est pas super dur, mais le truc, c'est d'arriver jusqu'au boss, quoi. Parce que ça, là, tout ce qu'on vient de faire, tout ce début de niveau, là, c'est chiant. Mais vraiment. C'est bourré de séquences pétage de câbles, hein. Non mais t'as vu ce qui vient de se passer avec la méduse là? Mais attends, oh. Il y a un moment, faut peut-être arrêter le kikoulol, non? Alors soit elle m'a tué. Avec le peu de dégâts que ça fait, c'est génial. Et donc c'est pour ça que j'ai été projeté en arrière. Soit... Soit c'est parce que j'ai oublié de me baisser. Et je crois que c'est ça. Je suis resté debout, donc j'ai eu un mouvement de recul et je suis mort. C'est relou, quand même. Bon, bref, bilan de ces quatre parties-là. Écoute, c'est vraiment pas mal du tout. On est presque à la fin. Il reste, quoi, quatre niveaux, en comptant celui-là, là. Attendez, j'essaye de réfléchir avec les boss. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a expérimente. C'est ici, normalement. Ah oui, il reste trois boss. En plus de celui-là. Donc ça doit être ça. 4 niveaux, je crois. Au pire, 5. Mais le truc, c'est que c'est très difficile. Vraiment, on arrive au dernier niveau, là.
Là, c'est déjà bien d'être arrivé jusqu'ici. Hein. Ça, c'est un truc qu'il faut être clair. Hein. Mais le problème, c'est que... Tu sais, je tourne mes parties de l'épreuve et de l'Odyssée 2. En un jour. Pas tous les jours, hein. Sinon j'en pourrais plus. C'est tous les deux jours à peu près. Mais donc tu vois, avant-hier j'ai fait 1 et 2, aujourd'hui j'ai fait 3 et 4. Gradius 3 et 4. Après-demain ça va être chaud. Je sais pas si je pourrais... Je sais pas, j'en sais rien. Parce qu'il y a le live hein, juste derrière. Ce sera un vendredi, donc... Ouah, ça m'énerve. C'est pour ça que normalement, je tourne que 2 jours par semaine. Hein. Que sinon, j'ai plus de voix et tout ça. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est que, par rapport à ça... Bon, le Orangina nous a bien porté chance, c'est bien. C'est que... c'est quoi? Oui, voilà. Au prochain niveau... Ce niveau-là, Hall des Sciences, c'est le dernier niveau où on peut sauvegarder. Après l'avoir fini hein, aussi. Les 3 prochains niveaux, tu les enchaînes sans pouvoir sauvegarder et sans pouvoir revenir en arrière. Et oui, et ça c'est extrêmement fourbe. Je crois hein, que c'est les 3 derniers. Oui, oui, c'est ça. C'est les 3 derniers niveaux, hein. Faut les faire d'une traite. Hein. Donc là, faudra pas, on pourra pas s'arrêter. Hein. Ou alors, au pire, ce qu'on peut faire, c'est un peu contestable là aussi, ça me fait chier, mais bon. Si jamais on arrive à battre les 2 premiers niveaux sur 3, dans l'Odyssée, et que c'est le moment de se laisser là, eh ben, je fermerai le jeu, tant pis, et je recommencerai en off, mais ça me fait chier, parce que... On sera pas avec le même nombre de vies, on sera pas avec la même, même nombre de cœurs, même situation, même arme secondaire. Enfin, au pire, on s'en branle parce que quand tu crèves, tu repars au début du niveau. Avec 3 vies et 0 cœur. Même ceux-là, hein, tu refais pas les 3 hein, si tu crèves. Non, non, tu auras des checkpoints, enfin je crois, enfin hein, oui. Oui, parce que sinon, c'est pétage de câble, hein, t'imagines. Mais là, pour l'instant, on est en train de particulièrement assurer. J'avais regardé j'avais jeté un coup d'œil à la partie 2 de l'Odyssée originale, voir où on en était, pour comparer par rapport à cette Odyssée-là. Là. Ben, c'est simple, celle-là, on était au boss Golem. C'est ça, hein. Celle-là, là, cette revanche, en mode hard. Et l'Odyssée originale, on était au Gravekeeper. Donc oui, effectivement, c'est beaucoup mieux. Et celle-là, à mon avis, c'est pareil. Hein. Niveau 4, à mon avis, on devait pas être très loin. Hein. Enfin, 4 parties. On devait pas être arrivé très loin hein, dans l'Odyssée originale. Mais c'est normal, je découvrais, encore une fois. Là, 4ème partie en mode hard. On a bien avancé. Hein. Les parties 2, 3 et 4. On est mort connement, parfois. Des fois on s'est énervé et des fois il y a eu des trucs de merde qui sont arrivés, des trucs complètement à chier comme d'habitude. Mais franchement, les parties 2, 3 et 4, on a bien assuré. Hein. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Mais là, il nous faudra au moins 2 parties, voire plus, pour finir le jeu. Je me vois mal finir 4 niveaux en seulement 2 parties. Hein. Surtout vu la difficulté des niveaux en question. Là, le hall des sciences, là, quand tu dois utiliser la gorgone... Pour la gorgone que je rappelle, tu chopes ici, hein, au sous-sol. Hein, et on est là. Et à mon avis, il faut la gorgone pour celui-là. Là. Oui, d'ailleurs, c'est obligatoire. Hein. Tu peux pas y arriver sans. C'est pas possible. Si, si, tu peux. Quoique. Ben, disons que ça t'aide vachement bien. Et que, oui, c'est clairement ça qu'il faut faire hein, pour sécuriser le truc. Pour être vraiment safe. Mais si, si, tu peux, hein, le saut de la fin de la bibliothèque, là. Quand je me suis suspendu et que j'attendais que le livre de droite, là. Mais en ayant le bon timing, tu peux y arriver sans la gorgone. Tu te laisses tomber, t'enchaînes direct avec le dash vers la droite, en l'air. Plus double saut pour monter sur le livre. Mais c'est trop dur. Moi, j'ai besoin d'utiliser la gorgone hein, pour avoir le bon timing.
mais c'est costaud. Comme tu peux le constater, bah, le Card Chronicles, c'est vraiment... Bah, c'est vraiment riche, quoi, comme jeu. C'est stratégique, faut bien calculer. Mais d'ores et déjà, on n'est pas ridicule. Hein. Je m'attendais à beaucoup bien pire, hein. Vraiment. Là, honnêtement, on a fait une prestation plus que correcte. Hein. Dans les parties 2, 3 et 4. Donc on verra bien ce que ça donne avec les prochaines, tu sais quoi. Là, à vue de pif, je dirais que ça va durer 8 parties grand maximum. Et ce serait vraiment bien de finir... Oh non, il y a un autre boss encore, fais chier. Oh, il y en a 5. Oh putain, j'en avais oublié. Hein. Attendez, ça fait expérimente, Léopold, le boss final. Lui... Oh putain, il y en a 5 encore. En comptant celui-là, hein, Hall des Sciences. Donc ça veut dire que en fait, c'est pas le dernier niveau où on peut sauvegarder, celui-là, là. C'est le prochain. Le prochain, c'est une purge monumentale, hein, aussi. Que ce soit le niveau ou le boss. Hein. Il va falloir avoir de la chance. Hein. Et la hache, une fois de plus. Comme pour celui-là, hein, qui décidément est notre meilleur ami. Oh, ouais, putain, j'avais oublié le B. Le M, puis le B. Deux formes, en plus. Et les deux sont relous. Et ouais, lui aussi nous avait bien fait péter un câble, hein, quand même. Bon, écoutez, on verra ce que ça donne aux prochaines parties, mais oui, oui, c'est plus long que ce que je croyais. Mais cette fois-ci, c'est sûr. Hein, c'est 5 niveaux grand maximum. Encore. Hein, je sais pas si tu te rends compte. Donc on verra bien comment ça va se passer. Mais vraiment, on est proche, quoi. Bon, allez, à plus pour de nouvelles aventures.